Allez, j'espère que là, cette fois, c'est la bonne. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne et qu'on va entendre ma voix, bordure. On est marre. Mais j'en ai marre. Ça fait 3 fois que j'essaie de relancer le live. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui cloche. L'ordinateur, il me dit... Un décalage aussi entre... Jamais ma voix. Et attendez qu'il y ait un moyen. Ok, on est là. Après, je vais baisser le son du jeu. Je vais baisser les 3 quarts. Je commence à en avoir marre. C'est vrai que je suis un peu vulgaire, mais là, ça m'énerve. On commence une game. Pas pourquoi. Pourquoi ça bug là? C'est bon. On va modifier ça. Ok, le mec il a créé un truc en 1v1. Ok, ouais. Bon, ça va faire. Ça va faire. Non, est-ce que ça fonctionne? Le maximum que je peux, j'arrive vraiment pas à avoir le plus de son que possible. Bon, on essaie de voir, test. Pourquoi je sais pas, ma voix elle ressent que c'est
un truc de... J'ai l'impression parce que ça vient... J'ai l'impression, je sais pas encore, mais toi, il a l'air dégueulasse. Il est pas comme ça, mon micro. Et surtout, pourquoi il semble... Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'entend pas? J'ai l'impression qu'on m'entend pas. C'est un truc. J'ai l'impression qu'on m'entend pas. C'est problématique. Ah, pourtant j'ai tout mis au maximum, j'ai mis le micro maximum. Je vais dans, paramètres. Paramètres audio. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais je sais pas pourquoi. On comprend pas ce que je... On comprend pas un mot de ce que je raconte. C'est sérieux quoi, c'est pas... Enregistré sans micro de... du casque. Est-ce qu'il y a avec le micro de l'ordinateur? Tiens, tout d'un coup, c'est mieux sans micro du casque. Est-ce que ça fonctionne? En fait, je voulais jouer et maintenant je vais me retrouver à passer 30 minutes à essayer de parler avec un micro. Mais j'ai pas le caché que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire un live où je joue à des jeux. Un micro. Je suis censé être calme. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ah, ça déconne. Putain, je suis tellement con. Pourquoi ça déconne? Oh mon dieu. Je viens de comprendre tout.
putain. Alors, on va quand même baisser un peu le son. Bon, là, si baisser un peu, c'est le niveau du casque. Super. Bon, alors, Alors, on va baisser un peu. Je viens de comprendre pourquoi ça bug. Bon. Bon, je crois que j'ai relancé le live parce que franchement, non. Ok, donc normalement c'est bon. Je vais faire 3-4 parties. Je sais pas, Thomas c'est un gars du Discord. Je sais pas, il y a dans le groupe hein. De Samo Mike. Il y a Mehmed. Non, il est pas dans mon groupe Discord. Je sais pas où est-ce qu'il est. Peut-être qu'il est pas sur le Discord non plus. Ouais, new game. Mais ce mec, mais kiffe quand même, je suis quand même là. Allez Thomas, attaque mec, mais Thomas, super, il m'a foncé dans ma gueule, merci. Merci Sempler. Allez, on envoie la balle. Thomas. Non. C'est vrai que Thomas c'est pas non plus moi. Ah, Thomas attaque. Oui. GG mec, GG. Thomas, mais putain, ce mec c'est un gamin ou quoi? Merde, non. Voilà, putain de merde. Ah ouais, Thomas, Taco, je sais pas pourquoi, mais Thomas, t'as une mauvaise commande. Ah, Thomas, il dit. Ah, il a pas eu son message.
Je défends, désolé. À Thomas aussi. Par contre, il y a un truc que j'ai pas pensé, à modifier. Sur la miniature, il y a écrit PC. Alors le problème, c'est que je suis pas sur PC, je suis sur sur Switch. Non, bon, ça change pas grand chose à part que les graphismes sont pas aussi élaborés. Thomas est où? Oh, Thomas. Et qui lui. Il lag. Je sais pas, mon Thomas, mais ta co est pas bonne en tout cas. Mon gars, le mec il a 436. Gros, t'habites où? T'habites où ça, mon gars? Même en Guadeloupe, j'avais pas une co si pourrave. Même en Guadeloupe, pourtant j'avais une co de merde. Yo, Wolfgame, yo, Picaz. Putain, j'ai pas pensé à lire le chat. Ah, le gros con, je suis. Yo, désolé de pas avoir lu vos messages. Ça va sinon? Ah non, mais vas-y, t'es pas sérieux, mon cochon. Mais, mon gars. Allez, Thomas. Allez, j'aurais pas dû. Bah, on y va. On y attaque. Il est marqué un deuxième but, on se souvient même pas. Ce mec qui. Le mec tellement pro de roquettes, il se souvient même pas de quand il a marqué un but. Oui, joli, joli. Cougar. Ah, Thomas a changé. Ah, Thomas, c'est Cougar. En fait, il y a toujours la même photo de profil, mais en fait. C'est pas mon pote. Bon, Thomas, je sais pas qu'est-ce qu'il a fichu, mais Taco, c'est du savon, mon cher Thomas. Taco, c'est du savon, mon gars. Alors t'es pas un mauvais bougre, mais juste que Taco, c'est juste que tu sais pas aussi bien jouer que moi. Bon bah t'as pas exactement le même level que moi. Dire que j'ai pas un level très haut, alors bon bah quand t'es plus bas que moi, bon bah t'es sûr que tu voles pas très, tu voles pas très haut. Bon. Mais ça sert à rien, par contre surtout Taco, mon gars. Taco, faut faire quelque chose pour Taco, mon cochon. Taco là, je sais pas, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait du caca, voilà. Et Thomas, t'as réussi à régler ou pas? Ah, Thomas rejoint le groupe. Je rejoins dans le menu principal. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, Thomas. J'ai l'impression qu'il veut jouer avec moi, mais je sais pas. Bon, mais j'ai lancé une petite game compétitive. C'est ce que les gens aiment. Game compétitive. Voilà. Des games compétitives, les gens. Ce que les gens veulent voir. De la compétitive. La taille du groupe a été modifiée. Bien. Yeah. Ça veut dire quoi, là? Wesh. Mec, je suis dans un groupe où il y a personne. Je rejoins une game. Je lance la game compétitive, je lance en recherche. J'ai pas pensé, par contre, ça a changé. Switch pour miniature, faudrait que je. Ça a changé ça. En plus, je pourrais faire ça en deux clics. Mais j'ai la flemme, à vrai dire. Ouais. Champion Field. Le champ des champions. Des campiones. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en italien. Moi, je le micro un peu trop près de ma bouche. Des campiones. Non, pas de nouveau message. Je crois, je suis pas sûr. J'ai pas fait italien, alors. Forcément, si je dis de la merde. Les gars, c'est normal. Je suis pas italien et j'ai pas non plus fait italien.
Oh, oh, ah non, j'aurais dû le laisser. C'est pas grave. Oh, 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 wombo combo. Oh my god, my dick is hard. Non, j'ai pas réussi. J'ai raté. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Putain, deux fois j'ai fait un beau sauvetage. Allez, allez les gars. Allez les gars. Nine. Je live. Oui, je live. Non, c'est joli live. Joli live. J'ai. C'était joli. Ah. Ah. La blague. Jameson. Les gars, vous y allez. Avant, je suis à pour. Putain. J'ai pu aller ça à mon coéquipier, mais c'était un peu plus risqué. Merde, j'ai foiré le coup. Je voulais pas faire ça. Tant pis, mais j'ai quand même bloqué l'autre gars. Merde, j'ai raté la boule, mais t'es pas sérieux. J'ai raté la grosse boule qui contient 8000 litres de turbo. Et là, je sais pas qu'est-ce qui vient de se passer là. C'est le moment où même Albert Einstein et Stephen Hawking ne sauraient être capables d'expliquer cette réaction. C'est le moment où même eux auraient du mal. Allez. Les gars, c'est pas bon. On se retrouve. Mais Dark Mark! Dark Mark, non! J'allais la renvoyer. Oui. Oui, mec. Mec. Si ça rentre. Non, ça rentre. Putain, je suis en train de tourner autour de la boule, mais. Je suis en train de tourner autour de la boule. Je suis en train de tourner autour de la boule de turbo sans la prendre. Vous voyez, je suis comme une mère poule en fait. Vous voyez, je cherche le parfait endroit. Bon, mais vraiment, quand je dis le parfait, c'est vraiment le parfait. Samashitaka. Nine! Non! Non! Joli live! Oh, joli. Oh, mais t'es sérieux, mon gars? Il a été récupéré la balle. Save by the keeper. Putain, j'ai bloqué joli. Putain, j'ai pas vu venir. Genre, j'ai. C'était centré, ouais. Le mec, les devs, je sais pas qu'est-ce que vous appelez un. Joli live. Merde. Dark Mark, attaque. Ah merde. Dark Mark. Un de ses tirs dont même le gardien il a du mal. Arrêtez. Mais mec. Ah ouais, mais c'est en fait un ennemi. Dark Mark. Les gars. Mais c'est mec. Nice. Meilleur ça. Joli life. Non, Marc. Putain, Marc était pas là. Il a raté une belle occasion de marquer. Ah. Ah, la blague. La blague, Marc, marqué. La blague. Et dommage, je veux pas être là tout le temps, putain. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, Marc. Pas Marc Thomas. Je confonds les noms de tout le monde, c'est grave. Mais non, Marc. Non mais c'est une blague, la voiture.
plus. Marc, tu es sûr. Mais non, mais c'est obligé que la voiture tourne. J'allais la voir, mais la voiture... J'allais avoir une chance de la dévier un petit peu, mais la voiture a fait se casse la tête. Mais je pense, c'est comment les gens maîtrisent Rocket League. Ah bah... À ce niveau-là, putain. Bon, regarde comment ça rend le live. C'est parti pour un peu de Mario Kart. J'en ai marre, je joue un peu à Mario Kart. Mais sur YouTube, je pense ça rend. Je commence à être un petit peu fatigué, je vais pas vous le cacher. Changer juste la miniature parce que bon ben je vais pas avoir une faire un peu de Mario Kart avec une miniature qui est pas du Mario Kart hein. Voilà, c'est pas logique. Non mais la démo on t'a pas sonné. Mais sérieux, je vous jure, j'appuie sur le bouton A pour la skip la démo, mais la démo elle veut pas skip. Voilà. Comment perdre 10 secondes de sa vie comme con grâce à la démo de Mario Kart 8. C'est exactement ça. C'est comment perdre 10 secondes de votre life comme un con. Ben, avoir la démo de Mario Kart. Donc là, il y a un japonais. Tengo una japonesa. Una japonesa. Voilà, celle muy. Oui, bah, puis merde, je sais pas pour l'espagnol. Pas de nouveau message. Bon, bah, c'est que personne ne veut venir sur mon live. La vie est triste, putain. Oh! Jolie Daisy. Damn, what the fuck. Ou putain, Daisy, tu vas prendre cher dans tes fesses. Ah non, ça va. Mais franchement, il y a un truc dont je me demande, c'est les gens. Les fans de Nintendo. Moi, je me demande, c'est les fans de Nintendo. Ils préfèrent qui entre Daisy, Peach, Harmony et Rosalina. Enfin, Peach, Daisy et Harmony. Franchement, c'est la chose dont je me demande, franchement. C'est à quel des trois qui est la favorite des gens sur... des fans de Nintendo, c'est une question dont je me demande, franchement. C'est une question que le peuple de France se demande. Depuis l'aube des temps, depuis la nuit des temps, c'est une question que le peuple de France se demande à l'unanimité, pourquoi... Laquelle des trois est la favorite de la majorité du peuple de France? C'est une question existentielle. Au grand pourquoi du comment l'homme est devenu l'être humain. Au grand pourquoi du comment on a créé des cités. Parce que dans le fond, nous sommes tous
Là, j'ai pas moyen de pouvoir finir ma phrase. Vous savez quoi? Oubliez ça. Nous sommes tous... insérez ce que vous voulez. Voilà. Peu importe ce que c'est. Nous sommes tous des tacos au fromage. Je sais même pas si ça existe d'ailleurs, des tacos au fromage. J'ai jamais bouffé un taco. Ni d'ailleurs un kebab, ouais. Régulièrement, j'en joue. C'est bon, le truc. Enfin, c'est bon. C'est ce que dit tout le monde. Mais après, bon, tout le monde peut avoir tort. Et ouais. Faut pas croire. Faut jamais se fier à la vie de général. Faut se fier plutôt à son avis à soi. Oh, il y a Max Tease, un français. Max Tease, coucou. Je suis français. Ich bin franzosen. Soy francesco. I'm French. Watashiga flansujin des. Voilà. Il est dit dans 150 000 langues. Alors que votre campagne. J'ai dit dans à peu près toutes les langues dont je saurais le dire. Je sais pas comment le dire sans russe. Coupe là. On a coupé. Mec, mais il nous colle. Non mais je vous jure. Je vous jure, il essayait de coller ses fesses aux miennes. Mon gars, je sais pas. Je connais pas tes préférences. Voilà. Tes préférences en choix de personne, mais voilà. Pas te le cacher que c'est chaud quoi. Ah ok, ma boue m'a chouré mes affaires. Je vous jure, le boue c'est le petit délinquant. C'est le petit con qui toujours confond. La sortie de l'établissement. Tiens, bon, si mais vas-y. Mais quand même tout le monde est en étoile quoi. Tu te fous de moi putain, tout le monde est en étoile. Je passe en Saiyan aussi les gars, passage en mode Saiyanjin. Saiyanjin Blue. On remonte, la remontada. Mon gars. La remontada. Faudra que je m'achète un putain d'Avermedia correct. Parce que là, c'est pas possible avec ce que j'ai là, quoi. Y a des moments où ça bug totalement. Est-ce que tu peux te lancer le logiciel là? Il y avait une chance sur combien que ça arrive. Bon, pas grave. Ne désespère pas que ce n'est pas fini. Pas encore. Coco, c'est vraiment me toucher. C'est d'après moi avoir essayé de me toucher. Je vais essayer de me toucher avec tout le monde, il n'y a pas compris.
que c'est pas lui qui me touche, c'est moi qui le touche. Il a pas compris ça, le gars, je vous jure. Un vrai gamin, quoi. Il a pas compris. Et celui qui touche ici, c'est moi, personne d'autre. Je lui ai vu le monde passer. Il m'a laissé tomber, quoi. Le feu histoire d'être histoire ah non mais c'est mais non mais t'es sérieuse là, mais étoile quoi, les gens qui font ça, je trouve des étoiles et il me plaint les gens qui font ça et moi même je fais ça, quand j'ai étoile je touche un maximum de personnes. Je pense que j'ai écrit. Mais non, mais c'est une blague! C'est une blague! Comment t'as fait pour me toucher? C'est une blague! C'est une blague! Comment il a fait pour me toucher, ouais? La logique. Logique! Où es-tu? Logique! Je crois que la logique, elle est partie rejoindre sa sœur, le respect. Non, c'est son frère, le respect. Je crois que là, la logique, elle est partie rejoindre son frère, le respect. Mais c'est clair que là, la logique... La logique est partie rejoindre son frère, le respect, là. C'est clair que c'est ce qui vient de se passer à l'instant. La logique vient de rejoindre son frère, le respect. Il s'envole très loin, très haut. Là où aucun humain... ne peut l'atteindre, même avec tout l'argent du monde. C'est vrai que je suis en train de dire ça, mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. Bon. Minwario. Ok, les mecs, Minwario. Ça va être la mine. Vous verrez, quand je sortirai de la mine, vous verrez ma mine. Avec mon pote à mine. Ouais. J'avais pas de rime. Ah, ça rime. Tout en regardant Pacific Rim. Ok. Allez, on essaie d'avoir quelqu'un au pif. J'ai quand même le seul type qui arrive à se foutre dans la merde tout seul. Oh, c'est bien qu'il soit passé dans moi, donc okay. On va les laisser se chamailler. Putain, comment je suis, quoi. On va accélérer un petit coup. Ah, c'était ma dernière utilisation. Merde. Nice. Non, mais. Non, mais c'est une blague. Il y en a deux d'affilée. Bon, c'est bien. Je suis dans le peloton. Le dernier. Ok, il y avait une carapace. J'étais censé faire comment pour la voir? Nice. Carapace bleue m'a poussé dans le décor. Personne. Ça va, c'est le deuxième coup. Ça va, c'est le deuxième. Ça va, c'est le deuxième coup. Je dirais faire 6ème sur cette course. Je suis un vénard.
suis pas un vénard. Je suis même pas fait 8ème, j'ai fait 9ème. C'est nice. Tu sais, un champi et une boule de feu, j'allais pas aller très loin avec. Là, j'ai mon rang qui est en train de diminuer. C'est pas très très bon. C'est pas bon pour la santé, comme dirait Polo. Bah non, c'est pas bon. Quand t'as ton rang qui diminue, c'est tout sauf bon. Voilà. D'ailleurs, j'ai peut-être aussi changé le nom du live. Hein. Mettant un emoji français. Emoji. Emoji. On va prendre un emoji. Je vais prendre, c'est un emoji de drapeau. Ce sont les emojis drapeau là. Drapeau. Alors il y a drapeau homosexuel. FR. Ça bug en fait. Il y a une preview du live. Ah bah ouais. Plus c'est en full HD. Ah non, 720. Un truc assez drôle, c'est qu'en fait je crois que là, c'est en fait J'ai perdu les mecs. Merci à... merci qui, merci l'éclair. L'éclair, merci. Merci l'éclair, j'allais avoir une bonne place. Mais tu m'as littéralement dit merde. Parce que bon, j'ai pas voulu cacher à ce niveau-là, c'était quasiment impossible quoi. Même un dieu n'aurait pas réussi. Even a god himself. Même un dieu n'aurait pas réussi. Enfin, si dieu arrive à trouver des cheats, enfin des glitches lui permettant de faire un truc pas très catholique en traversant la route en 2-2, oui, là par contre un dieu aurait pu y arriver. Genre sans glitch, même un dieu, même sans tricher, un dieu n'aurait pas pu y arriver. Alors forcément, ben voilà, c'est un peu chier Mario Kart. Et quand je dis que même un dieu n'y arriverait pas, c'est que... que voilà.
m'énerve un peu. C'est bon. Avec un petit drapeau français, c'est bien. Parce que la France, c'est ma nation, c'est ma patrie. Bon, ouais. Bon, après, je crois que je vais faire un petit pipi room, comme disait ma prof de management. Oui. Bien sûr. Ça a géré le truc. Je pense que la deuxième vague de... Il y aura normalement une deuxième vague de boomerang. Je sais pas, le mec il a fait autre chose avec son boomerang, je sais pas. Nice. Mais que je m'étonne, mais ouais, de Toaster. Ah, j'ai compris la blague, Toaster, Todd. Ah, mince. La blague à 2 euros, quoi. Là, je crois que Todd, ça veut dire crapaud, je crois. Ouais. Putain, que ça veut dire crapaud. Ouais, je crois que Toaster. Je crois que Toaster, il est en train de me rattraper. Toaster, fais gaffe à pas touche. T'es sérieux mon cochon à la dernière minute quoi, j'étais en train de me dire. Et Toaster, il fait quoi Toaster? Il y a Thomas le Chilien. Voilà, c'est le drapeau du Chili. Voilà, désolé ceux qui savent pas la géographie, ben. Je vous l'apprends, c'est le drapeau du Chili les mecs. C'est le drapeau du Chili les gars. Le Chili con carne quoi. Chili con carne power. Bon, je reviens, je vais faire un pipi roux.
Ça y est, j'ai mis la Wii U. La Wii U écrit Wii U. C'est très bien la Wii U. Donc ça, je sais que t'es une Wii U et pas une Wii grecque. Ah ok, en fait le gamepad n'était pas connecté, le boulet. Bon, et eh ben... je rentre mon mot de passe. Voilà. J'ai quand même récupéré ma manette Wii U Pro parce que j'ai pas de manette GameCube. Veuillez me pardonner. Excusez-moi, madame. Un bug avec le stick, la manette. Je vais se désynchroniser. Pour voilà, comme ça, on... en gros, il y a un bug avec la manette. En gros, ça arrive très souvent sur les manettes, sur les jeux vidéo en général. Il y a une mise à jour qui, il y a un élément qui n'a pas été téléchargé. Jetons un œil. C'est la mise à jour de Crunchy. Ah ouais. Alors refais-toi la mise à jour. Si tu veux. Là j'ai lancé Smash Bros sur Wii U. Les pères camembert Smash Bros. Du Smash Bros. Ah tiens, j'ai pas marqué, il y a un gros bug avec un gros zoom sur l'écran. Je sais pas pourquoi ça fait ça.
duel. Ouais, non, t'avais toujours le même bug. Tant pis, j'ai laissé ça comme ça. T'avais toujours le même bug. On va jouer avec un peu de cloud. Et il y a Sui en plein milieu de l'écran. C'est pas très joli, c'est pas très sexy. 3, 2, c'est match est parti, conquête. Ah bah il est parti. Lucas, Roy. Je vais voir un petit Roy. Yes. Bien. Oh mais c'est une blague son deck. C'est vrai qu'en même temps vu ta technique aussi il y aurait eu beaucoup de mal à te battre. J'ai sûr que cette fois avec Falcon j'ai pas fait un con. Prendre Blue de Falcon parce que je suis méchant. Prenez-moi au sérieux. Je
mec est impossible à battre. Si, the guy, the god. Get about that. C'est vrai qu'il va faire que main cloud. Personnage. Ah, le cap. La meuf. Par contre, Ganondorf noir et blanc. Ganondorf Game Boy. Ah, je vois que c'est Raistel. C'est une blague, Sandek! Mais je vais maltraiter! Sandek, quoi, mais Fox! Je n'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Il fait rec partout! C'est pas possible! Little Man! La musique dans laquelle le... Ah, j'ai... Tant pis. Vous avez sans la musique dans ce... La musique qui est tirée de ça, justement, est tirée d'un jeu DS. Il va justement être ressorti sur 3DS.
t'es sérieux, mon gars? Mac, ton poing. Your fist. The Fox. The Fox, il est pété. Y'a moyen que je tombe sur des gens qui ont un niveau plus allant au mien. Soit de préférence sympathique. D'accord, les blocs sont pétés, non ? Mais non ! Mais c'est une blague, quoi ? Putain ! Je vais même pas faire ça en plus. Vespasien, l'argent n'a pas de valeur, la victoire non plus. Le Thaïs, c'est lui, t'es où? En Suède, ok, c'est un Suédois. Ganondorf qui a qui est parti dans le haut. Parti.
Mais attends! Quoi? J'ai plus de saut, mais c'est une blague! Attends! La deuxième fois, j'avais plus de saut. Je sais pas pourquoi, j'avais pas de saut. Je sais pas, le jeu a pas voulu me filer des sous. Y'a personne qui veut me rejoindre, non? Eh oui, mais forcément les devs ils ont mis un truc pour pouvoir annuler l'attaque. Alors c'est pas mal pour annuler l'attaque. Ils ont mis un truc qui fait qu'en gros, tu peux annuler la focus attaque. Ta focus attaque sans deck, c'est chiant parce que quand tu appuies deux fois sur le stick en fait dans la panique, ça annule la focus attaque. Pourquoi ils ont pas mis... Mais oui, je glisse. Non mais pourquoi ils ont laissé la possibilité d'annuler la focus attaque? Mais putain, c'était mieux sans. Je sais pas, moi je trouve que la focus attaque c'est pourri. Le fait de pouvoir l'annuler. Autant tu l'aurais laissé. Oui. Laisser la possibilité de continuer ta focus attaque. Mais non. Mais non. J'ai pas le droit de continuer la focus attaque. C'est une idée génie. C'est du génie les mecs. C'est du génie. Je peux pas continuer la focus attaque. Si par exemple genre je me dis ouais je vais un petit peu exploiter de la focus attaque, je vais un petit peu exploiter des atouts de la focus attaque, sache-le que je peux pas. C'est fun. Super chute.
du génie, quoi. Faut qu'on puisse pas annuler un focus attaque. Et en gros, que tout simplement, bah... annuler un focus attaque. Pourquoi vous avez pas mis la possibilité de pas pouvoir l'annuler justement? Mais... j'ai trop tendance en fait à annuler la focus attaque en voulant faire gauche, droite. Non, les deux ils ont mis la possibilité pour annuler la focus attaque. C'est une super bonne idée. Pas maîtriser le signe. Oh. No respect. Les Godaron et boit du Sprite, sa mère. J'ai une stratégie de début de travail tombé dedans. C'est sérieux, mon gars. Royaume-Uni du Nord-Ouest. Je vais prendre un nouveau perso. Je vais prendre qui, moi? Un falcon? Braco feu tout blanc. Ce sera tout feu, tout flamme. Mec, tu te rends compte que t'es en train de spammer une attaque? Mais ça c'est du spam. Ça c'est une technique, on appelle ça juste du spam gratuit. Que ça fonctionnerait. C'est un gars. Fini.
Dracofeu. Dracofeu. Et j'ai toujours pas mis à jour mon profil d'ailleurs. J'ai toujours mis que j'habite en Guadeloupe. Alors que c'est plus le cas depuis un bail. Bon là je me joue à quoi? J'ai pas envie de switcher et faire un dernier combat. Un dernier combat où je vais me faire certainement maltraiter. C'est moi qui vous le dis. Mais... maltraiter. Défoncer la tronche. Mini ma tronche. Et bien c'est fait le défoncer. Voilà. Bon, je prends un cloud. Un cloud qui est... il me faut sur le cloud. Ok, je sors pour cette blague. Venez dans... il ne s'est rien passé. Votre cerveau était sous acide. Mec, il faut prendre du temps. Prendre du temps, trop un gars. À deux reprises, il avait battu. Enfin. Oh, à deux reprises, il avait sûrement battu un de mes potes. Ils étaient à deux contre moi. On faisait un deux contre moi et je les ai battus. En deux contre un. Je suis un petit peu fier. Pas de dire que je suis un petit peu fier de moi. En plus, ils avaient tous les deux un an de plus que moi. On va pas te dire oui, mais c'est des mecs qui étaient plus vieux que toi. Non, ils étaient même plus âgés. Pas plus fier, mais bon, en même temps, il y en a un qui savait plutôt bien jouer. Vous avez trop tendance à user des personnalisations. Et du coup, on rendait un peu le jeu pété. Donc, en fait, les personnalisations, ça rendait en gros des persos vraiment OP. Je vous dirai jamais dans Smash Bros si les personnalisations ça rendait les persos OP. J'aimais... alors, c'est un peu fun des fois de jouer. Ok, c'est suicide quoi, il a racheté. Bon, je disais, ouais, les personnalisations c'était un petit peu OP parce qu'en gros, en fait, tu pouvais pas en fait. Il y avait des fois en fait, il a. Ton adversaire en gros, le mec s'est cassé, ok. Bon, ouais, bah, je vais faire pas tuer à regarder la conquête. La conquête qui est en cours, donc c'est. C'est 80. En gros, c'est les années. C'est les années 80-90 contre les années 2000. Donc c'est les années 80-90 contre les années 2000. Contre les années 2010. Bon,
principal. De quoi? Je sais pas qu'est-ce que je vais faire sur mon live. Quitter. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est une très bonne question. Des suggestions, ce serait sympa. Il y a quoi que je pourrais faire? Bon. Il y a YouTube dessus. Moi, c'est un YouTube qui va pas ramer, enfin laguer, comme contrairement à. Sur ma télé, je sais pas pourquoi YouTube lag. Je sais pas. Ma télé même semble bugger. Je sais pas, au niveau des fonctionnalités internet. Ça sent un petit peu bugué. Alors bon, heureusement, pour regarder des vidéos en 4K, j'ai mon ordi, mais bon... Ok, Mina... Meto Mega... Anudake... Demo... Azukashi... Ajimeteno futari kiri. Ah ouais, c'est vrai. C'est sur le gamepad. On a toutes les infos. Qu'est-ce que je pourrais regarder comme vidéo? Je sais même pas. C'est quoi fuck YouTube? Je vais aller sur autre chose. Je crois qu'il y a un petit souci avec l'écran. Ouais, l'écran est un peu trop... justement... L'écran n'est pas assez à paramétrer. Ah ben c'est déconnecté, ok. Mais aussi YouTube, je crois qu'il supporte pas la manette. Hein. Pas pensé à changer la miniature. De toute façon, je vais faire quoi là? Je sais même pas que je vais streamer. On va régler ça pour avoir alors où est-ce qu'on peut. Thank you.
C'est long. C'est bien pour faire un truc totalement con. Faire quoi moi? Je sais même pas que j'ai dû faire moi. On va switcher. Ah non, la manette, je vais me déplacer. Allez. On y va. Bon, je vais voir à quoi. Allez. Je vais pas avoir une carte vidéo. Belle Mario Kart 8 Deluxe. Luigi Kart 8. Non, c'est s'il y a des gens justement sur le Discord.
fait. Deux péruviens. Ça arrive pas souvent. Vous êtes sérieux les mecs, vous avez poussé sur moi. Il y a le mec avec la banane, j'ai vu qu'il est arrivé sur moi. Oui, je le mets à gauche. Par hasard, on l'attrape. Les journalistes, des fois, ils parlent du point de vue. Il y a un truc assez haut que j'aime bien. Le truc que je kiffe quand même, c'est quand. Mais non, mais ce mec, Morton, il fallait arrêter d'être à chaque fois dans mes pattes. C'est une blague, à chaque fois il y a quelqu'un dans mes pattes. S'il n'y avait pas eu le mec là, ça aurait passé. Il était là. Mais si le mec était pas, je serais passé. Mais non. Le gars était là. Donc je suis pas passé. On a deux reprises et encore. Je déteste, c'est quand les gens ils te filent un boost. Ils te filent leur turbo, tu sais, quand tu y touches. Tu prends en gros du turbo. Sauf que le problème, c'est que toi, tu veux juste essayer de rester sur la piste. Et tu sais que prendre du turbo, ben, ce serait pas bon. Sauf que le problème, bah, c'est qu'il te rentre dedans et tu prends le turbo. Et malheureusement, tu sors de la piste. C'est génial. Je voulais pas du turbo, mais comme il m'a foncé dedans, je l'ai pris, que je le veuille ou non.
casser la gueule. Et là j'ai peur. Bon. Pas le pire objet, comme ce n'est pas le meilleur objet. C'est pas le pire comme ce n'est pas le meilleur. Bon, là c'était tous des petits terroristes. On s'en recrutait par les djihadistes, tout ça. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Je les mets sur les listes de surveillance. C'est une blague, on veut vraiment ma peau. Super, j'ai perdu. Il y aura pas que j'étais à une bonne place et que, bon, comme par hasard, le jeu m'a dit je t'emmerde. Bon, et ben, faire quoi? Ah, là, je suis creux. They give me a chance. Shiki. Shiki, mon gars, t'as beaucoup joué. Pas les mecs sont là sur Mario Kart, c'est aussi en général. Soit des asiatiques, soit des mecs qui ont pas envie de se coucher. Pierrot doit être aussi un peu tard. On va voir Pierrot, ça va. Pierrot, ça doit aller. Mais lui, il doit être encore à la pouvoir. Il doit faire encore ça. Tous ceux qui veulent faire un peu de temps.
Mais non, mais le bout, quoi. Mais j'en ai marre à chaque fois que quelqu'un me chante un objet comme par hasard à la fin. J'ai eu les mecs deux fois, à deux reprises, un mec me chauffe mon objet, et à deux reprises ils disent comme par hasard contre moi. Comme c'est étrange. Bon. Vas-y, un peu de Sonic Mania. Sega. Deux trucs totalement stupides en plus, et tu y as accès.
La rejette que moi. Qu'est-ce que c'est bien. Alors c'est Mario Kart 8, alors je m'incrustais dans sa game en ligne. Si jamais il en fait une. Personne ne m'a évidemment est connecté. Ok, bon, ben, y a quoi comme jeu? Oui, y a mes amis dessus, enfin, mes amis de jeu. Alors, y a IB et Lee, c'est sur Portal Knight, Lolo et X-Freeze, sont sur Rocket League, Shoto qui est sur Rocket League.
Je sais pas, ils sont sur le Discord, les gars. Ils sont sur le Discord ou quoi, pour... ils sont tous en train de se faire une grosse game de Rocket 100, là. Alors, tu vois, s'ils ont gardé tout le même mot de passe, franchement, ce serait cool que je puisse y rejoindre. Même... juste regarder ce qu'ils font. Donc, ah, quel... bah, même pas, mais... en fait, de tous les côtés. Enfin... yo les tout le monde. Y a Fugel. Discord. Ça va Fugel. Enfin. Ouais et toi. Yes, ça va mon poteau. Je suis en train de faire un petit stream. Ah ouais, ah, où ça? Un stream là. Ouais, sur ma Switch. On peut stream sur la Switch. Ouais. Comment? Bah avec l'Avermedia. En fait, c'est ça. Ah, mais c'est non, c'est pas la Switch mec, c'est ton Avermedia qui stream. Ouais enfin, c'est la même chose. Sam, tu m'as compris en tout cas. Tu veux dire que tu live sur la Switch. Ouais. Bon, ouais, Sam. Ouais. Tu nous préviens quand tu veux faire du Rocket League. Bah ouais, dans pas longtemps, je bouffe. Eh hey, mais. Ok. Bah je reviens alors. Ce serait cool si Limonade y arrivait à faire un serveur manga, enfin, genre un chat manga. Ouais. On met tous le même de manga. Parce qu'à chaque fois il dit, mais pourquoi vous mettez que du manga, c'est relou tout ça. Ouais. Mais il y a qu'à créer un coin genre pour les animés, tout ça. On met du manga, animé, voilà, tout genre de trucs quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je cherche à voir faire? Ça. Ouais. Non, rien. Mais si tu peux dire ouais, non rien. Le relou. Ah, ouais. Tu joues à mon pro. Ça va durer une heure si beaucoup. Sam. Ah bah non. Là il y a juste arrêté. C'est pourquoi Laura elle est partie. Pour jouer à Rocket League. Ouais. Pour faire caca. Non, probable, parce qu'elle est partie appeler Limonade. Ouais, elle le kiffe, hein, de ouf, il s'appelle tout le temps. Ça se trouve, un couple va se former. Mais non, mais tu dis ça, mais allô, il était genre, c'est juste des bons amis. Hein. Ah bon? Et surtout, t'as un gros porte-chose. L'autre jour, t'as dit, ouais, bah, pendant tes lettres, t'as dit, ouais, j'aimerais bien qu'un couple se forme, genre, Molo, il dit, mais crois pas non plus qu'elle est morte, on a quelque chose. Hein. Non, moi j'ai déjà. J'en sais rien, moi. Moi j'ai déjà quelqu'un déjà. C'est pas ça, mais c'est J95 qui parle, hein. Bah oui. Mais tu as donné ton numéro de téléphone sur le live, mec. C'est pour ça qu'on t'a troll avec ça. Mais mec, c'est un prank, je l'ai déjà dit précédemment. Oui, mais c'était le frère jumeau de Sam qui parlait. Franchement, c'était un immense prank de la mort, tu sais. C'est un immense prank. On est juste amis, il y a rien de. Je l'ai le numéro de Lolo si tu veux. Non, mais je ne veux pas. Yeah, yeah, yeah. C'était pas sa maman. Celui qui me passe ta voiture sur le cœur. Ce que j'ai, c'est une couleur que vous avez donnée. Quoi? Non, mais déjà, 18, hein, elle et moi, il n'y a rien du tout, on est juste amis. Moi, j'ai déjà quelqu'un d'autre dans ma vie. Mais combien de fois je devrais dire que je peux dire ça? Que ça? Moi, tu veux la draguer? Pas du tout, ouais, ça, moi c'était un prank, frère. Ouais, j'ai déjà quelqu'un, c'est marrant. Eh, ça? J'ai déjà une meuf dans ma vie. Moi. Quelqu'un a des clés sur le terrain? Ouais, j'ai des clés. Ah non, j'ai tout dépensé. Non! Ça sert à quoi des clés? Ça sert à ouvrir des coffres. Et comme ça, tu peux débloquer des voitures, des styles, des roues. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, des caisses, pas des coffres. Ça, aujourd'hui, t'avais une petite pause. Ça va. Ouais, et toi? Moi, j'ai mangé des frites avec des champignons. On s'entend super mal, Yannick. Parce que j'ai 17 frites, mais je peux pas les ouvrir. J'adore les champignons. Ah, les champignons, c'est délicieux. J'ai 17 lettres, j'ai 17 lettres. Un message privé à Limonade en me disant à quoi j'ai mis si t'as le temps. Je vais pas le forcer. C'est quoi que tu veux flaguer? Mais non, je parlais du manga, tu sais, du savoir manga, tout ça. Après, on comprend que tu veux un hentai, Annie. Non, pourquoi si t'avais dit ça?
Oh, arrête de mentir, Yanni, c'est bon. Tu l'as dit l'autre jour, t'as dit, ouais, Akane, tu t'as dit, ouais, quand tu vas au Japon. Ah, là, tu l'as dit, gros. Ah, les gars, dans la vie, y'a pas que le salami. Moi, je suis pas une personne qui... D'ailleurs, et au fait, d'ailleurs, et tout à l'heure, Aurélien, elle m'a envoyé ses dessins, mais elle s'est filmée pour faire des films tellement bien. À ce point? Oui, Aurélien, elle dessine bien en vrai. À ce point? Ah, c'est lui, il a fait le salon manga. Ah, vous pourriez m'inviter, s'il vous plaît? J'ai 17 pièces, mais je peux pas les ouvrir. Pourquoi j'ai pas un salon manga? Ah, si, là. Comment? Ah, si, salon manga, mais il faut que tu mettes un vocal aussi pour me dire. J'ai 17 le salon manga a été créé, voilà. Ouais, mais il a fait dans l'immédiat, c'est dingue, je pensais faut qu'il allait le faire. Ah, ouais, j'ai dit, bon, allez, normalement, il va le faire demain. Et il l'a fait maintenant, alors qu'il était en train de jouer en Rocket League en même temps. Ouais, bon, les gars, bah, les gars, après le salon manga, il faudra créer c'est le salon hentai. Hein. Il y aura non, que Yanni ouais. Qui va y aller. Hein. Moi, quand ils mettent un vocal, qui regarde la télé ou t'as qui moi, je regarde la télé ou t'as qui non. C'est Derek. Ouais, Derek, je l'ai mute parce que. Bon, moi, je vais dans le salon mondial pour les. Mais il faudrait que je te propose des jeux pour les prochains lives, Sam. Parce que y a plein de jeux qui pourraient te plaire. T'as vu tous les jeux que j'ai chez moi ? Et les gars, vous savez justement que. Les gars, vous savez justement qu'ils ont. Ils ont fait une version mobile de PUBG. Ouais, de Fortnite. De PUBG, pas de. Ouais, de Fortnite, mais aussi de PUBG. D'accord. Ouais. C'est Sam, en fait, chez lui, il a une pièce secrète sur ma télé. Il y a plus une collection de l'Espagne. Bon. C'est Laurie qui m'a dit ça. X-Freeze. Bon. Je peux pas jouer avec toi, X-Freeze. Vous savez, dans mes toilettes, mec. Derrière la chasse d'eau, t'appuies, ah. Il y a des chats qui se retournent. Là. Et derrière, il y a une taille. Des quoi? Il y a une taille. Non ah. Ouais, allez gros. Les gars, Laurie elle est pas louche toute seule quoi. Les gars, par contre, vous savez, mes hentai cachés ils sont sous mon lit. Charla, il y a quelqu'un de ta famille. J'ai pas le sami vient chez toi. Moi, celui que j'ai trouvé cool comme Punch-Out, c'est celui sur Wii parce qu'il y avait beaucoup plus de liberté de mouvement avec les Wiimote, tout ça. Ouais, c'était pas mal. Là, tu veux dire des mots aussi. Ouais. Ah, on voit bien que c'est un anglais, il écrit Color avec un U. Qui ça? Oh, c'est qui qui a bouffé un truc? Oh, c'est Shoto, quoi. C'est Shoto, là, il est. Non, c'est une blague. Ah, Baraka est revenu. Baraka, enfin. Le grand Baraka. Le grand Baraka. Monsieur Free. Monsieur Free. Ah bah il est parti. Ouais, on l'a trop excité. J'ai pas compris la phrase de Baraka. T'es facon, il perd vu les chinoises. De toute façon, il perd vu les chinoises. J'ai pas compris la phrase de Baraka. Mais moi, t'as vu ce que j'ai mis? Moi, je suis le premier à en mettre. C'est bien d'avoir des exemples. Qui veut ma breakout? D'ailleurs, ça, est-ce que tu collectionnes les figurines pop là? Non. Ouais, je vois c'est lesquelles. Mais il y a une figurine Megaman que j'ai en plus. C'est les figurines avec la tête qui tremble. Ouais, voilà. Il y en a une de Megaman. Qui va voir? Ouais, y'a quoi de spécial celle avec Megaman? C'est quoi ça? Demain, on est
à l'avenue des champs. Merci, c'est ouais, mais il faut déjà qu'il paye le train déjà pour y aller. Ah, non, j'ai pas le temps surtout. Parce qu'à Paris, j'y suis souvent, à Paris, il y a Lille, on verra. Déjà, si vous venez au Paris Games Week et tout, moi j'y suis. Ah ouais? Paris Games Week, Japan Expo, personne y va, Japan Expo, moi je dirais. Ouais, moi je dirais aussi. Si ma mère. Je vous jure, j'irai en costume de Kaneki, en cosplay de Kaneki. Viens en cosplay. Ouais, j'irai. C'est normal, c'est toi Kaneki. Ouais, Il a mis 2 secondes de vocal, 2 doliprane, 1 doliprane par seconde. Non, je sais pas lire. Il a écrit 2 secondes de vocal est égal de 1 doliprane par seconde. Re. Mais du coup, je disais Sam. Jamais, genre, il est méchant, Baratin, on lui dit tous, ouais, Baratin, il est retour. C'est pas sympa. Ouais. C'est très gentil, ça. Mais Sam, il s'est pas... Incitation à la haine, tu vas être banni, Yannick. Quoi? Incitation à la haine. Mais du coup, je disais, Sam, si jamais tu passes à Paris, essaye de passer le dans les villes hautes. Là, vous jouez? Non, là, je joue pas vraiment. Moi, c'est moi, je joue à Rocket League en live. Qui veut m'envoyer sur le Rocket? De toute façon, moi, je vais parce que je suis sûr que Sam, il est en train de se préparer un Doliprane en ce moment, tu sais. Non, pas du tout, on va faire du ménage, mec. Oh, secret, tu sais pas, c'est ça. Il a un rendez-vous. Moi? T'as un rendez-vous sur Mythic. Rendez-vous quoi? Un rendez-vous sur Mythic. Bah non, j'ai pas de rendez-vous, j'aimerais bien, mec. Mais non. Juste. Je suis bien tout seul, moi. Les femmes, ça sert à rien. Je préfère les jeux vidéo. Ouais, d'ailleurs, franchement, ouais, j'ai perdu. Franchement, on peut choisir entre une femme et des jeux vidéo, les gars. Choto. Y'a pas Choto, tu veux dire? Non, oh, surtout, il est pas là, c'est vrai. Non, mais... Oh, j'ai obtenu une caisse. Mais... Moi, je viens de trouver une blague. Je viens de trouver une blague, c'est un pépito, dès que tu manges à minuit, ça devient un pépitard. Ah, je viens de comprendre la blague. C'est comme la blague du tétard qui croyait qu'il était tôt. Alors qu'en fait, il était tard. On peut faire plein de blagues avec lui. Moi, je connais une histoire. Il y a un youtubeur qui s'appelle Sam Mike. Il y a des petits, il appelle Sam. Ah oui, il y a un petit qui s'appelle Samomic. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pareil. Mais tu prénom Samomic. Vous aimez bien, hein, c'est bien. Ouais, hein. En fait, ça veut dire que Sam est au micro, parce qu'en fait, Sam aimait justement la radio quand il était plus jeune, à son temps libre. Ils ont dit, ouais, c'est Sam au microphone, au micro. Ah, ok. Du coup, c'est devenu Samomic. Tu dis ça. Samomic, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Putain, mais toi, tu peux dormir jusqu'à je sais pas quelle heure. Tu et depuis qu'il y a un salon manga, c'est le plus. Ouais, je dors tout le tous les matins, je me lève à midi. Bon, les gars. Les gars, je vais mettre du hentai dans la section manga. Non. Tu vas te faire bannir, mec. Ouais. Allez, je vais essayer. Non, mec. Oh, Choto, t'as mis une image de Kaneki. Ah, c'est stylé. Oh. Hey, Yanni, je t'incite même pas à mettre une musique triste comme moi je t'ai fait à toi. De toute façon, moi je suis un homme insensible, j'ai jamais pleuré, tu vois. Allez, c'est bon, j'ai mis l'image de hentai, ça arrive dans 5 secondes, les gars. Non, mais arrête de faire ça. C'est vrai, envoyé. Ah, non. Le bagage, C'est pas sûr, il faut ça. Il y a juste un ciseau. Comment il nous a troll. Ouais. Par contre, les gars, je vous entends un peu difficilement parce que j'ai la musique de Minecraft. Bon, tu joues à Minecraft sur quoi? Minecraft sur Switch.
Ah merde, ouais, toi tu aimes bien que tu joues à Minecraft toi. Ouais. Ouais, que tu jouerais sur PC, on aurait joué. Ouais, mais je suis sur Switch. En plus, il n'y a même pas acheté la version PC. À chaque fois, je me dis, Melvin, il m'a acheté la version PC aujourd'hui. Mais à chaque fois, je finis jamais pour l'acheter. Je sais que tu peux déjà une version craquée, mais c'est gratuit. Ouais, mais c'est... J'aime pas trop les versions craquées. J'aime pas craquer mes jeux, en fait. Je sais pas. J'aime pas, et surtout les versions... Les versions craquées, tu peux pas aller sur certains serveurs. C'est quoi ? Sam, tu viens sur Rocket ? Ouais. Elle demande pour ça. Qui c'est qui veut jouer à Rocket ? Ah, moi, moi. Bah, allez-y, allez sur le menu principal, je vous invite. Ok, Sam, j'arrive, je lance. Je lance Rocket, mon gars. Moi, je suis en train de m'entraîner dans les aérés. Aurélien, elle est sur PUBG. Moi, je suis toujours pas Rocket League, ça m'énerve. Je vais recevoir 3 codes pour avoir Fortnite sur téléphone. Aurélien, attends, il comprend pas que Aurélien. Mais je te dis, ça sert à rien, Fortnite sur téléphone. Non, mais Fortnite sur un phone, c'est cool. Ah ouais? C'est... Ah, moi. Oh, genre, y'a un. Enfin, y a un. Y'a un RPG de Rick et Morty. Y'a un RPG de Rick et Morty. Où ça? À la Pokémon. Sur, portable. Ah ouais, mais non, mais moi je le vois sur Switch alors. Rick et Morty, c'est ouf, mais comment tu connais ça, toi? Ah, en. Et. Bah, et moi, Sam, ça sur YouTube en streaming en anglais. Et Sam, une question à te poser. Est-ce que tu as justement c'est des équipements de, tu sais, des éléments Rick et Morty dans Rocket League? Ils y sont pas, non. Ah, t'en as pas? En fait, j'ai acheté la version physique de Rocket League et je crois qu'ils y sont dedans. Sérieux? Allô? Ouais. Vous allez voir Rocket? Ouais, ouais. Ouais. Peut-être que j'ai la version physique de Rocket League. Non, mais attends, FPG, t'as mis un stream sur le truc. Donc quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, mais est-ce que t'as... Hein? À chaque fois, si ça coupe, t'es... Non, non, c'est The Flash qui est dedans. Sam, est-ce que t'as l'étude? Ah, qu'est-ce que j'ai l'étude? Ah, c'est bon, je suis de la chimale, c'est là, moi. La Casa des Papels. C'est la base, mec, quand t'es... La Casa des Papels. Y'a la Casa... Ouais, mais j'ai pas commencé, la Casa des Papels. X-Freeze, je sais pas. Je connais la fin, en bateau. Moi, regarde. Quand t'es dans le métro, tu peux regarder. Ah, mais je regarde des trucs des fois dans le métro, mec, sur Netflix. Et Sam, tu m'invites ou pas? Sur Rocket League, tu peux inviter Sam? Sam, tu nous invites ou pas? Ah ouais, je vous invite. D'abord, je boucle ma purée. Sam, invite. T'attends. Ah, purée, quoi. Ah, purée. La purée, les gars, tu connais plus. Purée mousseline. Ouais, purée mousseline, mec, tu crois que j'ai fait la purée avec des potes? Invite-moi. Attends, je remue ma purée, mec. T'avais pas dit t'as mangé de la salade? Ouais, mais j'avais encore faim. La salade, ça. Attends, déjà, invite-lui. Ouais, j'ai compris, ça fait 4 fois que tu le dis. Vas-y, Sam, moi j'ai pas de Sam, tu m'invites ou pas? Sam, tu m'invites? Ouais, je vais inviter. Mais non, mais les gars, j'ai pas assez pour vous inviter à manger de la purée, les gars. Je suis devant chez toi, moi. Non, ils veulent tout ce que j'ai. Je dis, leur dis que je mange de la purée, ils me disent tu m'invites. Eh, hey, je suis devant chez toi, écoute. Putain, je suis devant chez toi. Ils ont invité qui alors? Alors, Flugel. Invite-moi Flugel. Oui. Yanni, on a compris. C'est bon, hein? Yeah, man. Je ramènerai des. Eh, tu sais quoi, ça? Je ramènerai des champignons et un pack de coca si tu m'as. Ah, c'est qui la belle voiture là? Ah, tiens, avec les ailes de démon, c'est stylé. Moi j'ai la breakout, petit PS. Ouais. Ah, ben manger, y'a crash. Bruh. Ah, dommage. Allez, on y va. Rocket League. La Ligue des Roquettes. La Ligue des Roquettes. Moi je vous dis tout de suite. Ah, y'a Lolo, les gars. Non, X-Free, je veux pas rejoindre ton groupe. Mais avouez que vérité, c'est un peu du. Comment dire? Du fan service. Ouais, y'en a quand même un petit peu, beau. Y'en a. Le code, c'est Sam18. Il reste encore de la place? Ouais, il reste une place. J'arrive! Mais encore, j'ai pas encore fini, mon chéri, qui est là.
J'ai un manga que je dois terminer déjà. Ah mais du coup Fougue, t'as une chaîne YouTube du coup. Bah ouais mec. T'as combien d'abonnés? J'en ai 83 je crois. Fougue, oh, c'est quand même beaucoup. Bah pas vraiment. Bah après moi je dirais la limite pour quand t'as plus d'abonnés c'est au moins dans les 50-60. Bon. Parce qu'après dès que t'as 30 ça va être tes amis ou des trucs comme ça tu vois. Ouais. Ouais, c'est quoi le nom de ta chaîne? C'est quoi? C'est quoi le nom de ta chaîne? Ah, c'est mon pseudo justement, Flugel971. Ouais, exactement. Ouais, Yannick. Ouais, Yannick. Ouais, Flugel. Le prénom? C'est quoi? Putain, t'as cassé ma ouais, ça trop beau aussi. Oh, là, joli Steve LR, joli. Merci. Coucou le live à Fugel. Mais sauf qu'il y a personne dessus. C'est ça qui me fait chier un peu. J'entends pas, mec. Tu connais le McDo des champs? Ouais, bien sûr, je le connais bien, je mangeais tous les jours là-bas, je travaillais à plein de radio. Là-bas? Non. Steve, oui, joli Steve. Ok, on m'a envoyé Valsé. Nice. Ouais? Ah, notre game est en streaming, les gars, c'est en train de regarder, Flugel. Moi aussi, j'ai sur son live. C'est quoi? Bombardez son chat, les gars, bombardez. Les Champs-Élysées, c'est de l'antichambre? Non! Un petit peu, je crois. Je sais pas. En fait, avec le gars, là, tu t'es abonné à ta chaîne. C'est quoi? Je suis abonné à ta chaîne. Hein. Ok, merci. Non, il a dit c'est pas abonné à ta chaîne. Ça fait plaisir d'avoir un abo en plus. Hein. Merde. Un abo en plus. Plus Dan, il est venu sur ta chaîne, mec. C'est énorme, il est trop cool. Sérieux, Yo Dan, Yo Sam, Yo Jay, de tout ça arriver sur ma chaîne d'un coup. Pourquoi on va pas ta gueule? Abonnez-vous à Flugel aussi, c'est important. Je me suis abonné, les gars, je me suis abonné moi. Oui, pareil. Pour aider les youtubeurs à monter. Je me suis abonné, Flugel. Nice, merci Sam. On revient, faut s'abonner à la mienne. Non, du canal. Maintenant tu t'abonnes à la mienne, Fugel. C'est déjà fait, puis un bail. T'es sérieux là, il faut mettre un but, les gars. Fugel, tu t'abonnes. C'est quoi? On m'entend dans ton live? Oui, on t'entend normalement. C'est moi, c'est Yanni. Yanni, c'est toi que Xinox, je savais même pas, mais. Ouais. Ah, Fugel, on nous entend dans ton live? Ouais, normalement, on vous entend. Non, j'entends rien. Non, du coup, avec Yo Xinox! Prends ce but de Asdin, les gars, il était dingue! Mais d'ailleurs, être le gars, toi t'es abonné. Magnifique le but! Ouais, j'ai trop aimé ça! Yo Baraka, Yo IB! Yo Shibé, Yo Soto, Yo Baraka! Yo Kaneki! Yo Kaneki! Ah ouais, là j'ai entendu les fins. Lol. Pendant que tu joues, tu sais que tu peux m'occuper de ce ton de chat. Hein. Le nombre de personnes. Ouais. Yo. Tu sais que t'as juste à mettre modérateur, tu m'occupes de ton de chat. Hein. Ouais, c'est comment on fait pour ajouter les gens modérateurs? Faut cliquer sur la. En fait, cliquer sur la petite modérateur. C'est quoi? Oh là là, le but là. Oh non, le style il est trop chaud. Tu sais, c'est pour ça, genre, en fait, ça, tu mets modo et genre. Oh my god, Fugel! Ok. Je suis fan de toi! Lol. Alors. Du coup, je vais être dans les salles, gros. Je sais pas si ça le fait en mode téléphone. Faut essayer de lâcher. En mode téléphone, ça fait ça. Ah ouais, c'est pour ça que ça le fait pas. Ouais.
Et tu stream comment avec l'Avermedia? C'est quoi comme logiciel? Bah avec le logiciel de base d'Avermedia. Ouais. Ah non, dommage, Steve, t'étais tout prêt, ça, mon gars. Ça stream vachement bien, mec, je trouve ça va. Bah, c'est pas terrible, je trouve qu'il y a quand même des saccades quelquefois. Bah, c'est parce que t'as mal réglé, ça, mais c'est pas mal, l'image, elle est propre. Eh, y'a un fan de toi, y'a pas un tas sur mon live. Ouais. Après, ouais. C'est peut-être, ça vient peut-être de ta connexion, hein. Miguel, je veux un autographe. MJ, y'a Sam au mic. Ça, je te kiffe, t'es le meilleur. Miguel, c'est quand du Outlast? Ah, ça, je sais pas, j'ai pas le jeu. J'ai pas le jeu, mais. Je sais pas si même je vais l'acheter, mais il est pas. Mais il est bien comme jeu, j'ai pas. Je sais pas. I don't know. Ça va, Mike, il pète mode 2. Lol. Bah, bien sûr que ça fait des vues. Faut commenter là, faut mettre des commentaires. Ça va. Ça marche comme ça, YouTube. Là, du coup, là, il va être dans les recommandations et tout. Ah, désolé, je crois que j'ai peut-être envoyé un balai un peu trop fort. Ça va. Mais j'ai raté mon saut. Allez, en accès, un petit coup. Merde, j'ai raté. Par contre, c'est chaud. J'ai pas le temps de pouvoir checker, de pouvoir ajouter les gens en modo. Moi, ça fait 200 chats, en perso. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Ça fait depuis tout à l'heure, je te parle. Veux-tu m'offrir une carrière? Non, 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 désolé. Je m'attendais à la grosse déclaration, Sam. Oh! La belle passe. C'était moi qui. Et il y a justement quelqu'un qui a raté la défense, je sais pas qui c'est. Il a pas vu le pseudo. C'était Ib. Ouais. Comment je fais pour laisser ma place? Non, il reste le pseudo. Kaniki, je suis fan de toi. Kaniki, je suis un autographe. On aura un, t'inquiète. Ah. Tant pis. Alors, tu vas faire du Pokken. Ah ouais, c'est là, je pourrais faire du Pokken. C'est à quelle heure Mario Kart 8? Kaneki, t'es le meilleur youtubeur. Attends, on va ajouter 3-4 personnes modo. Alors, ajouter modérateur. Ah ouais, donc déjà, il y a moi parce que je suis... Qui veut devenir modérateur? Moi, ok. Ok, alors attends. Ajouter modérateur. Ah, tu t'appelles Xinox, Yanni? Ouais. Moi, je vais te moquer. Ah non, Sam, pourquoi tu l'as fait? Sam, tu vas te moquer de moi, mais regarde les jeux que j'ai sur Switch, j'en ai que 5. Sam, tu m'es prêt? Abonné. Regarde comment j'ai écrit là. Ah, modérateur, non. Abonné. Sérieux? Non. Fluguel. Ouais? Vous avez quitté le lycée car une erreur est survenue. Wesh. Xinox modérateur, c'est moi. Ok. Bon, ben il y a une place de. Oh, il y a Limonade qui est là. Il y a mon Rocket League, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il a bugué. Il y a Limonade qui est. Snap. T'en mets pas avec moi, s'il te plaît. Ah, j'ai pas de snap, Baraka. On peut pas te faire un don, mec? Comment on fait pour faire un don? Je peux pas. Je suis trop. On peut pas faire, je crois, de don aux petites chaînes. Ah ouais, allez, bâtard. Ah oui, il faut avoir 1000 abonnés. C'est ça? Bon, y a moi, ouais, je crois, un truc d'argent. Limonade et Yves qui en est dans la même chaîne. Ah, je suis fan de toi. Bah, demande à tous tes abonnés de s'abonner à Fluguel. Ça marche pas. Ah, c'est ça, c'est ça. Non, non, ouais, ça. Comme ça, les mini-bis sont personnes qui sont les chiffres. Abonnez-vous à Fluguel, c'est important. Mais Limonade et Blue dans la même équipe, c'est juste horrible. Non, mais c'est injouable. C'est injouable. Entre Lolo, la gardienne de but, et Limonade qui marque les buts. Toi, t'es qui, toi, dans la game? Quand t'es qui, je te vois pas. Non, non, mais je joue pas, mais dès que je vois le match, en fait, je suis en train de regarder le match et je vois que c'est injouable pour Fluguel. Ouais, abonnez-vous à Fluguel, les gars, sur le stream, ça. Ouais, mais il y a quelqu'un qui t'a fait une déclaration dans le live. C'est ça s'appelle Xinox. Non, je. Sam, tu veux m'offrir une canne? Abonnez-vous à Fluguel, ça lui permettra de monter. Ah bah ouais. Il faut que je monte là. Voilà.
Faut que je monte, j'ai devenir le nouveau Squeezie, les gars. Le nouveau Squeezie. Hugel, t'es pas dans la game. Non, je suis en train de spectater. Je spectate. Voilà. Tu mets bien ta chaîne, comme ça au moins les gens pourront se donner. Oh, Jay, il fait ta pub. Jay, il fait ta pub. Non, je mets la pub. C'est pas mon live. Jay, il fait ta pub. Ouais. Ouais, je sais, mais par contre, juste que là, il va y avoir... Tu peux rejoindre les bleus ? Ouais, attends, si tu veux. Tu n'es pas malade. Ouais. Même si ça n'a pas vraiment été équilibré. Quoi, bien sûr que... Mec, il a 92 abonnés, le gars. Ouais. J'en ai pas... Le deuxième métier de Sam au mic, c'est modérateur. Voilà, le deuxième métier de Sam. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, aussi. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je dis que j'ai dit que je suis pas malade. Non, ouais, mec, j'ai l'argent pour ça. Non, ah j'ai raté, désolé, désolé Steve. Il a 93 abonnés. Les gars. Allez, 100 abonnés en une soirée, s'il vous plaît. Ah, putain. Tu sais Squeezie, il paye ses modérateurs. Ah, je sais, les modérateurs sur certains lives. Ouais, Squeezie, lui, il est fake. Alors que moi, mon patron, ah, ouais, payer le salaire, paye même pas. Ah. Mais Squeezie, il est même pas payé pour être modérateur. Il a déjà YouTube qui le paye. C'est nous qu'on le paye, ouais. Non, ça c'est les sponsors. Les tes sponsors, en fait, tu soutiens la chaîne. Non, c'est nous, en regardant les vidéos. Non, mais je te promets, Parod, genre, il a à peu près 10 sponsors qui payent 4€ par mois pour le soutenir. Bah, je sais, je l'ai ça aussi. Bien, oubliez pas. Mais non, là, Steve, il va être dégoûté, là. Oh, mais c'est une blague. Non. Mais il va les... C'est quoi le live. Non, Steve, il rage trop, mais il faut que je le fasse, mais... Qu'est-ce que c'est à dire? J'ai pas compris. Mais Samo Live. C'est Tika qui a inventé Samo Live. Ah, je comprends que dalle. Il y a trop de gens qui parlent. Depuis qu'on fait les Samo Live, il y en a plus. T'es qui toi? D'ailleurs, t'avais oublié ce nom à celui qui avait fait les Samo Live. C'est qui me donne B? Pourquoi tu... T'as 93 abonnés, mec. 9, 3, et puis... Mais non. Et bien sûr, à bon pour son sucre. Bon, par contre, si je veux te dire, en tout cas, tu joues super bien. Merci. Non, surtout avec les jeux qui vont sortir là bientôt. T'auras plus de contenu sur ta chaîne, ce sera cool ça. Ouais. Ouais aussi. Et moi j'attends avec impatience Undertale. Hein. Ah ouais, Undertale. J'entends rien donc ça coupe. Pourquoi tu ne veux pas leur dire ton projet qui va bientôt sortir? À qui? À toi. Oh non, désolé Lolo. Je sais pas de quel projet tu parles, mec. Moi j'ai marqué là. Mais d'ailleurs, il y a un jeu similaire à Undertale. Non, c'est One Shot. Ah, ouais, One Shot. C'est un jeu avec un. Ouais, avec un Le match est pas très hyper beau comme jeu.
Mais Seb, toi, ça me gonfle que je joue en pixel, c'est ça? C'est quoi? Les gens en pixel. Ouais, ça me gonfle, j'en peux plus. J'en ai trop fait. C'est mal fait, en fait, on croirait que c'est... Mais après, les graphismes, c'est pas ça qui compte, c'est le jeu en lui-même. Les graphismes, en fait, c'est un arbre comparé à la fin. Le pixel art, quand c'est géré, quand c'est propre. Oui, par voilà. Exemple, tu connais Shovel Knight? Ça, c'est bien. Le jeu, ils les font au pixel juste parce que c'est la mode, en fait. Il n'y a pas de direction artistique derrière. Je comprends. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a... Ouais, ça ne mange pas. Et c'est vrai, il y a Sam, j'ai mis la photo de mes 5 jeux Switch là, sur partage d'image. Ah bah, je vais aller voir. J'en ai que 5 par contre. C'est bien, 5, c'est bien, c'est beaucoup, mec. Ouais. T'en as plus que Lolo, par exemple. Lolo, je crois, il a 3 ou 4 jeux. Ah ouais, t'as des sales lacs de ouf. Moi, j'ai 2 jeux, ça. Oh, Sony Force, gros. Eh, mais Yannick, je te résume un peu tes phrases. Tes phrases, t'as fait. Oh, Google, ça lag de ouf. Ouais, mais ça, c'est la verre média qui fait ça. Non, je crois pas. C'est ton ping. Je t'ai dit. C'est pas la verre média. Je sais ce que c'est. Non, c'est la verre média, je sais, il fait ça lui-même. Même le rendu de la verre média. Le rendu de la verre média est comme ça d'ailleurs, de base. Normal, j'ai le même verre média que toi, mec. C'est pas possible. C'est quoi? J'ai un verre média comme le tien, mec. C'est quoi, un gel, un light? Quoi, c'est ça? Je sais pas. C'est le rouge et noir que t'as? Ouais. Ouais, c'est ça, on a le même. Le LGP Lite, mais je sais pas, il lag de base en fait, même quand je fais rien. Sam, il y a Baraka qui t'a envoyé en privé. Sam, il y a Baraka, il dit, est-ce que t'as vu son message privé? Non, je l'ai pas vu. Où ça? Dans les messages privés, tu sais, là-haut, là, dans les amis, t'as des messages privés. Normalement, tu devrais voir une photo de Baraka, tout ça. Je l'ai mis dans général, la photo. Va voir, tu me dis, c'est wow. Ok, attends. Fall, 3, 2, 1. Non! 2, 3, 1, 2, 3. Oh non! Ah, oh, dommage. On refait? Alors, y'a quoi dans le général? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Par contre, le gel, ça lag un peu. Bon. Ah, non, j'ai pas exactement le même. Toi, t'en as un autre. Ouais. Mais j'ai une version un peu en dessous. Eh hey, mais Yanni, je te promets vraiment, hein, à la Japan Expo, je me mettrai en Kaneki, genre je prendrai un cosplay Kaneki. C'est le seul mec normal. Oh mais rentrez. Ah ouais, si tu vois un Kaneki en cosplay... C'est pas exactement le même que le mien. Mais... Ah ouais, mais Dan, il a les 4 meilleurs jeux de la Switch pour le moment, hein, pour le moment. Mais sinon, il a les 4 meilleurs jeux de la Switch. C'est quoi les 4 meilleurs jeux de la Switch? Zelda, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 et Mario Odyssey. Ouais, c'est les meilleurs. Voilà. Et dis-moi, tu... est-ce que Flugel est là? Oui. Flugel, est-ce que t'as vu la photo? Le quoi? T'as pas vu la photo? Ouais, il y a eu la photo. Ouais, c'est... ça y ressemble, non, mais c'est pas le même. Mais c'est pas le même. Envoie-moi la photo. Ah, toi, okay. T'as carré Flugel. C'est quoi? Ça, t'as l'ancien celui qui est carré. Non, mais il y en a un qui est pas terrible. Il coûte à peine 60 euros. C'est pas le meilleur celui que j'ai là. Ouais, mais moi le mien est pas terrible non plus. Ouais. T'as pas de dispo, tu vois, quelqu'un qui te prend par derrière et tout. Ouais. Quelqu'un qui essaie de te kidnapper, bah. En fait, je t'explique mon costume. Ouais. Comment ça... Tu sais, c'est le costume d'Aogiri de Kaneki là, quand il est. Ouais. Bah, c'est sûr. Je crois que je l'ai acheté. Je crois que ah non, c'était. C'est... Ah merde, je vais le con. Je le recevrai dans le. Merde! Putain. Pas grave. Bon, mais j'étais. Je crois, hein. Mais je suis trompé de sens, putain, le con que je suis. Oh non. Merci pour les 94 abonnés. Bon les gars, c'est sympa de vous abonner à ma chaîne. Vous abonnez ou pas là? Ouais, on est gagné. T'es à combien? T'es à 100 ou pas encore? Pas encore. 94. Non, redescend, t'es à 9-3 là. Le 9-3 c'est mieux. Continuez à vous... Si y'a des gens qui rejoignent le stream et qui sont nouveaux, continuez à vous abonner. On vous dit, je pense que toi. Pour Flugel, ça fait plaisir.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sabo Mathieu Game, qui est dans la description. J'ai pas de boost. Qui va mettre un lien pour s'abonner à, ce, à la chaîne de Sam. Et n'hésitez pas à vous abonner à ta chaîne de... Ouais, ma chaîne VO, c'est horrible, ils ont parlé de ma chaîne VO, les oh les gars, c'est moi qui ai mis le but. Sérieux? Ouais. Regarde. Ah bon, on voit pas, mais c'est moi. Médium de la chaîne de Fugel, abonnez-vous. Mais c'est moi qui ai mis le but, d'après le jeu. Ouais? Quand tu rigoles, on dirait la il y a une place de libre, les gars. Quand tu rigoles, on dirait que c'est comme des méchants d'Alex. Xiahaha. Oh, Fugel qui bat, c'est quoi? Ah oui! Ah, j'ai envoyé! C'est l'anniversaire à Lilian aujourd'hui, ça y est! Joyeux anniversaire à Lilian! D'ailleurs, demain c'est l'anniversaire à Lilian! Mais c'est aujourd'hui là, ça y est, on est demain avec Annie! Je le sais pas parce que moi il ne le sait jamais! Non mais Yanni, par contre, Yanni. Yanni, par contre, c'était trop en avance, tu l'as, c'était vendredi le truc, t'as fait. J'ai donné un soir vendredi. Après, il a dit. Il t'a dit merci, après, il a fait. Mais c'est pas mon anniversaire en fait. Limonade, ok. Voilà. C'est ça, MK8, Platoon, c'est bon. Désolé. D'ailleurs, il y a un jeu. Il y a un jeu. C'est Miguel qui a mis le dit. Non, c'est Limonade. Bon anniversaire, cette fois c'est la bonne. Moi je suis sûr que je vais pas me tromper. En fait, je suis débile parce qu'en fait, on est déjà dimanche en fait. Parce que là, ah, il y a du mat. Hein. Ah, attends. Allez, ah, dis bien joué. Il y a des choses qui. Il fête son anniversaire en Belgique. Et les mecs, je fais même pas le point face à Steven. Eh, ça? Quoi? Si je te paye un billet d'avion, tu vas au Qatar? Non. Steph, je sais pas. Non, des questions cheloues, mec, hein, je te l'annonce. Sam, c'est cette saga que je te parlais de jeux vidéo là, tu sais, celle que je te parlais sur PS2. C'est comment? C'est Sly. Sly Cooper. Ouais! Eh, on dirait pas les chiens de la patte patte. Est-ce qu'il y en a qui connaissent 13? Voit rien d'une part de la caméra. 13? Sur PS2. Miguel, tu joues bien, ça va. Pas... Tu trouves, Mario Kart, j'ai un niveau de merde. Moi j'ai que connu en fait les jeux de plateforme sur PS2. Tout ce qui est jeux de plateforme, c'est... Ouais, voilà, ça. Ouais, le loup a raté la balle. Ouais. Tu vois le chien du milieu là? Non. Mais c'est pas un chien, c'est un raton laveur. Ouais, bon, c'est le chien de... Non, pas. Mais non, non, mais tu es sûr qu'il y a la bad patrouille, hein? Non, c'est mes couilles. Quelqu'un peut me dire qui a mis cette patrouille dans ma live? Sam, c'est toi qui a mis cette patrouille? Hein? Abonnez-vous à Bugger, ça vous prend 2 secondes pour les nouveaux. Yanni, il parle de la bad patrouille. Oh, bonjour, c'est ça. Bonjour, ça va bien. Bonjour les gars, vous vous rendez pas compte, mais je viens de gagner au moins. Je viens de gagner ce soir, je crois, 11 abonnés, je crois. 11 abonnés. Grâce à vous tous. Ah, mais Yannick, tu m'excuseras, mais depuis tout à l'heure, c'est moi qui mets le lien. Mais je savais pas que ça allait se faire. En fait, si j'ai mis une heure à chercher la musique, Yannick, hein, pour voir si ça allait te faire quelque chose. Bonjour, c'est sympa de ta part, merci. Ouais, mais en plus, tu sais, genre, dès que j'ai un moment avec. Ouais? C'est quoi? Faut dire, tu sais, genre, quand on voit l'œil de Naruto et de Sasuke là, normalement, dans le truc que je t'ai envoyé, ça fait. Moi, ça m'a fait des frissons verso. En vrai, là, c'est tellement bien que je m'en passe, mais moi, allez! Ouais, tu portes à pleurer, Yanni, donc. Hein. C'est bon là, moi, ça me rappelle des souvenirs. Lolo, oh Lolo, 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 Lolo. On va réussir à la faire venir, il va rigoler. Elle est pas là, Lolo aussi? Non, elle est dans la game. Hein?
Non mais elle est pas sur le chat. Par contre, le PQ, c'est quoi ça? C'est pas ça pour voir sur le cas. Le GF, c'est quoi SS Super Smash Bros 4? Bah, c'est Smash Wii U et Smash 3DS. Hein. Ah. C'est les mêmes? Ah oui, c'est les mêmes. Mais il y a une différence? Non, il n'y a aucune différence. Bah, non, mais non, en théorie, dans le gameplay, c'est les mêmes jeux. Non, c'est le même jeu. Moi, j'ai celui sur la 3DS. Bah, c'est le même que sur Wii U, mais pas en HD, quoi. Ouais. C'est les mêmes. Wow. C'est qu'en haut, c'est ton live. Vous savez que Smash 3DS, c'est une prouesse technique, les gars, vous savez ou pas? Non, ouais. Comment ça? Ça veut dire que le jeu, normalement, il doit même pas tourner sur une 3DS. Ah! Ouais. Bah. À mon avis, ils ont blindé le truc, je sais pas comment ils ont fait dans la carte. On voit la différence de graphisme entre la Wii U et la 3DS. Ouais. Les trucs, les commandes. Ah, c'est bon. Mais je trouve dans la version 3DS, il y a plus de. Comment dire? De. Genre, il y a un mode aventure, tout ça. Ah, mais ça, on l'aura sur la Switch. Yeah ouais, oh! Il est chaud, Steven, les gars. Et c'est un bon joueur. Regardez comme il est bon. Bonne nuit, Yanni. Et Yannis s'en va pas, voilà. Salut. Yeah, oh non. Putain, je sais pas pourquoi ils a Yannis demain. Oui. Non. Folle. Non. Attendez, j'arrive, je vais quitter. Nice! Une nouvelle victoire! Pas une victoire, une défaite! Ouais! Une situation qui n'est pas le jeu? Mais? Sam, tu sais, j'ai un mode jeu? Qui sort, les gars? Ah, c'est pas moi, c'est moi le boss du truc? Ouais! Choisis jour de neige! Ouais, vas-y, jour de neige! Jour de neige! Comme aujourd'hui! Lolo. Tu vas laisser la relive du live? Ah ouais, normalement. Live, je live depuis d'ailleurs combien de temps d'ailleurs? Je sais même pas depuis combien de temps je live, mon gars. Attends. Non, j'ai une erreur de communication. Depuis à peu près 2 heures déjà. C'est quoi? À peu près 2 heures déjà. Ah. J'ai une erreur de communication. Et principalement, toi, Sam, t'es dans le stand Canal Plus dans les conventions que tu où tu vas. Ouais, je suis plutôt Canal Plus. Je suis en direct sur Canal Plus, mec. Tous les jours de 12h30 à 12h30. Ah, ouais, quand même. Il reste encore une place? Ah, ouais, il y a Lolo qui est parti. Il reste 3 places. Parce que moi, j'ai une erreur. Ouais, même Lolo, elle a eu une erreur. Ah, moi, j'ai une erreur. Ouais, c'est bon, je refais pas de game, ça me saoule. Ah, ouais, j'ai une erreur. Fugel, ton Aver Media, c'est le premier prix, quoi. Ouais, premier prix, mon gars. Mais Sam, ce serait trop marrant si t'arrivais en cosplay Donkey Kong à la Japan. Non, mais je vais faire le cosplay de Selma, par contre. Ah ouais, c'est la même gueule. Sam, pourquoi tu bouges pas? Peut-être tu vas rêver. Je suis pas là, la game, elle a planté. Moi aussi, j'ai planté. On voit toujours de... Ah ouais, ok. Ah, mais ouais, mais l'histoire de Nintendo, ça commence à de plus en plus laguer, hein. Moi, je sais pas, je joue. Je crois qu'ils sont en train de faire justement les travaux pour l'aménagement pour le truc. Bon, ben, je suis ah oui, en pour le Wii contre payant. 4 le Wii payant. Mais après, 20€, ça va, franchement. C'est moins grave que la PS4 et la Xbox One. Ils sont à 59€. Le online. Tout le monde a quitté? Oh, j'ai encore eu une erreur. J'ai encore reçu une erreur. Mais moi, je pense qu'il y aura des personnages 2D. Parce que dans la version 3DS et Wii U de Smash Bros, ils avaient fait Mr. Game & Watch en 2D. Du coup, je pense qu'ils vont faire encore des personnages 2D sur le 5e Smash Bros. Après, c'est une hypothèse. Hein, je dis ça comme ça, mais je suis pas sûr. Je suis pas du tout. Écoute, dans mes journées, pourquoi c'est un ballon qui a... Bah après, ça pourrait... Bah si, bah... Après, il y a Mr. Game & Watch qui est en 2D.
Donc ça me surprendrait même pas qu'il fasse genre je sais pas quel personnage 2D qu'il pourrait faire. C'est qui le chef du groupe Par exemple Sans ou Papyrus d'Undertale par exemple. Undertale je connaissais pas mais. Bah moi non plus, bah en fait je connaissais un peu grâce à Farod qui faisait des vidéos dessus. Mais j'ai jamais fait vraiment le jeu. Moi j'ai découvert Undertale grâce à un pote. Ouais. D'ailleurs j'ai rencontré Farod dans la voie, il est hyper sympa. Hein. Bah enfin, ouais. Il est super sympa Farod. Mais tu sais comment il s'appelle Farod en réalité? En réalité il s'appelle Clément je crois. Ouais. Clément. Ouais, il s'appelle Clément. Là les gars on fait quoi dans le menu? Ben vous rejoignez la game. Mais Sam, tu penses te prendre de South Park l'année du destin ou pas? Oh, vous rejoignez le match. D'ailleurs il sort le 24 avril je crois. Il sort dans un mois. Enfin quasiment un mois. Ouais non. Oh non, yeah. Eh mais j'adore là, tu sais quand il y avait un truc qui est tombé chez toi. T'étais en péfi hein. Bonjour. Bah non mais viens. Non, tu sais, ben... il ouais, était le bruit sur le live ou pas? Ouais, ouais, moi je l'ai entendu en perso, je l'ai entendu, j'ai flippé. J'ai entendu un. Comme un truc tombé, j'ai fait. What, mais. Oh, ça me saoule! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ou peut-être c'est toi. Ou peut-être c'est toi, tu sais, quand t'étais sous le bureau, peut-être t'as fait bouger ton bureau et quelque chose est tombé de ton bureau, non? C'était dans une autre pièce et tout, hein, mec. Je suis allé voir le. C'est le balai qui a mis ça. Ah, ouais. Mais genre, j'étais pas rassuré, tout le monde disait « Hey, y'a un truc derrière toi, y'a une ombre, attention !» Sam, y avait Bou. Ouais, mais non, y avait le roi Bou chez toi. Bou, putain. Sam, tu sais quand tu vas refaire du Outlast? Mais non, il sort quand le Mario? Ouais, je vais en faire du Outlast, je vais pas le faire en live. Vous avez quitté le... Hey. Non, non, non. Ah, mais j'ai quitté le jeu. Y'a encore une erreur, putain. Mais il sort quand le Mario Tennis Ace, là? Le 26 juin. Ah ouais. La Choto, il est chaud sur les dates. Ah ouais. Moi, je connais juste la date de sortie de Little Nightmare, Crash Bandicoot. Et après, les autres, je connais à peu près. Ça fait 3 fois que j'y vais. Et Little Nightmare, Little Nightmare, c'est le 18 mai. 18 mai, il sort. Mais d'ailleurs, 18 mai. Attends. Moi j'attends la sortie de Street Fighter Collection. Ah parce qu'il va sortir en plus. Bah je crois, hein. C'est en mai aussi. Il va sortir en mai mais je sais pas quand. Non, je l'ai regardé. Mais après, sur Switch je crois qu'il y a une version. Parce que je sais qu'il sort sur PS4. Mais il me semble que Nintendo ils ont fait une commande pour l'avoir sur la Switch. Non mais c'est obligé, Nintendo ils en veulent plus de Street Fighter. Ils en veulent beaucoup. Ah ouais, une commande. Je te le confirme, Nintendo.com il y est quoi. Le non, ça me saoule, bon, j'arrête de jouer. 40 mais euros. Après, je suis un peu. Je suis pas serein parce que. Ok, ils sortent le Mario, enfin le Luigi's Mansion 1 sur 3DS, mais après, ça veut dire que. Pour la console virtuelle GameCube, ils... comment ils vont faire pour si, sortir si, il sera. Ouais. Faites pas que tu pourras jouer. Parce qu'en fait, là, t'es en train de te faire avoir comme un bleu. Pourquoi? Parce qu'en vrai. C'est un portage, wow. Quoi. Non, non, parce qu'en vrai, ils vont mettre en HD le Luigi's Mansion 2 sur la Switch. Je sais pas si t'as compris le délire. Ils les mettent tous les deux sur le portable. Ah, et ensuite, comprends. Ils vont sortir une collection Luigi's Mansion. Peut-être ils vont sortir Luigi's Mansion 3, par exemple. Ouais, mais le 2, il m'a pas... Ah, moi, j'ai trouvé cool, hein, mais beaucoup moins bien que le 1. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai aimé, mais voilà, je... Si j'ai encore une erreur, oh là là. Comme en plus, j'adore, moi je suis hypé. Voilà. En plus, tu l'avais prédit, toi, t'avais dit ouais, je suis sûr qu'ils vont sortir parce que. Ouais. C'est trop adapté à une tablette avec ce genre de jeu. Mais tu verras, le Mario 3D World, ils vont sortir. Moi j'ai bien aimé Mario 3D World, mais je préfère un peu plus le Mario Bros. Wii que le Mario 3D World. Mais après, ça reste mon avis. Après, ça reste mon avis. Mec, c'est un jeu en 2D. 3D oui, voilà. World, mec. Ah oui, d'ailleurs, regardez. Bah après, ça reste mon avis. Hein. Ah, regardez ce que j'ai mis dans le manga, vous me dites la petite miniature que j'ai faite. Ah, joueur du grenier, il a sorti une nouvelle vidéo, les gars. My name is Jeff. Joueur du grenier. Ouais.
Bah oui, il a sorti aussi Harry Potter. K2000 sur PS2. Mais par contre, les Harry Potter, moi j'ai juste fait le 3. Je vis déjà pour le plaisir. Bah en fait, c'est un peu un jeu pour enfants où tu fais l'aventure, tout ça, mais. Ah, faut que j'aille voir ça, j'aurais du grenier. D'ailleurs, que j'ai du temps libre, j'ai maté ça. Mais c'est 20 minutes, il dure l'épisode. Il en a sorti plein. Ah ouais? J'aurais gagné, il en a sorti plein. Il en a sorti une par mois, je crois. Ah, ouais, ah, on a gagné. Et ça, non, mais j'ai 4 fois une erreur. Étendu. Mais Sam, du coup, au cas c'était fa... Mais c'était facile la victoire. J'ai même pas eu le temps de jouer. Ok, bon, ça me saoule. 5 fois une erreur. J'ai... Mais j'ai encore une erreur. Mais c'est quoi qui se passe avec la Switch? Vous pensez quoi de la miniature que j'ai mis dans le chat? Attends, j'en ai. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Un peu trop pixelisé, ce serait seulement que je reprocherais. Il y a Megaman qui sort à la collection sur Switch. Sérieusement? Ouais, j'ai le lien là si tu veux. Il y a la bande annonce sur Nintendo. Oh là là, je suis trop hypé. J'adore Megaman. Mais attends, mais mec, elle est énorme la bande annonce. Tu vas saigner du nez si tu l'envoies. Mais... Personne n'a des clés sur Rocket? Attends, je vais t'envoyer. Ouais, il y en avait, mais je les ai toutes dépensées. En fait, Capcom, ils rejoignent Nintendo, là. Non, mais je pense que Capcom, là, ils vont se faire bouffer par Nintendo. Ouais, j'ai eu une erreur logicielle encore, là, sur Rocket. J'arrive pas à vous rejoindre, les gars, laissez tomber. Ouais, abandonné, ça. Oh, j'ai abandonné. Ça peut regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la Nintendo Switch. C'est qui a fait ça? Ce qui paraît, faudrait. C'est pas moi, c'est dégueulasse. Pardon. Ce qui paraît, faudrait éviter d'acheter le Attack of Titan 2 sur Switch. Bah non, c'est de la connerie. Tout le monde dit ça pour troll Nintendo. Ouais, voilà. Tout ça pour. Ouais, pour Payday, ils ont dit pareil. Alors que c'est le même pour Doom. Mec, Doom, c'est le, il est aussi... c'est le même que je l'ai sur Xbox One et. Ouais, c'est le même. C'est le même, mec. Voilà, c'est le même. La même chose, ils ont dit aussi, ils ont dit aussi la même chose pour Dark Souls aussi. Les mecs, ils ont même pas encore touché au jeu pour donner un avis final. Mais voilà, ça juge déjà un truc qui est même pas encore sorti, qu'ils ont même pas testé. N'importe quoi, les gens de 2018 maintenant. Mais Sam, tu penses le faire en live ou pas le Attack on Titan 2? Il y a des promos. Le faire en live, leur découverte du jeu, tout ça. Ouais. Il a sorti une vidéo hier, Lilian. Genre, il parlait de Attack des Titans 2 en jeu. Bah ouais? Ouais, sur PS4. Mais j'ai pas voulu me spoiler, du coup, je l'ai pas regardé. J'ai pas regardé sa vidéo, j'avais pas envie de me spoiler. D'ailleurs, au fait, ce sujet, Il y a beaucoup de bugs. Le mec a inventé Discord, il est trop fort, quoi. Ouais, c'est génial comme parce que tu peux jouer à un jeu, mais tu peux en même temps parler avec les autres, donc ça c'est cool. Même ah, si là, tu fais partie de toi. Tout est bien quoi. Ouais. Sam, tu vas acheter Little Nightmare sur Switch? Bah oui, je vais l'acheter, je vais me faire des vidéos. Oh, il y a un Colombien dans la game, il y a un Colombien. Je t'ai mis le lien là dans le général. Mon dieu! Un Chili. Je vois la mignonne. Mais les gars, c'est déconné, les gars, regardez. Faut que vous voyez ces niveaux que avec lesquels je suis tombé à l'instant là. Oh. Faudrait au moins acheter. Faudrait au moins acheter 60 jeux sur Switch pour avoir un jeu gratuit. Ouais, va voir la bande annonce, Kaneki, je l'ai mis. Regardez là. Personne connaît Polybridge? Non, moi je connais Polygame. C'est un des maths, il a dit à ce niveau. Oh là là, tu m'en fous, hein. Laisse tomber, c'est la folie. Ah ouais, non, mais. T'es pas à l'épée, Kaneki, là vraiment, ah non, mais là, grave. J'ai hâte d'acheter Mario Kart 8. Ah ouais, j'ai. Oh là là. En plus, c'est des extra modes. Tu peux revenir en arrière dans le jeu. Ouais, tu peux revenir en arrière, ça c'est abusé. Après, il était dur le jeu. Ouais, c'est shit de ouf. Vous parlez de quel jeu? Il y a Megaman 10 et le 9, c'est des jeux de Wii.
Nice. Moi, je voulais savoir si t'as bug sur... C'est quoi? Tu peux choisir soit c'est le truc. Ouais, c'est l'Ivermedia qui est comme ça. S'il y a un Ivermedia de meilleure qualité, ça ferait pas ça. Il y a un truc à faire avec le niveau. Ah, il y a... Là, je sens que je vais me faire enculer, là. En plus, j'ai l'amiibo Megaman. Moi aussi, je l'ai. Oh là là là. Eh, mais là, je suis hypé de ouf. Hein. J'étais sur le point de pleurer, en plus. Hein. Ah, parce que ça, c'est mon enfance. Tu savais pas, c'est... tu l'avais pas vu, c'était mon enfance? Non, même pas. J'étais même pas c'est au courant. C'est du démat, il a dit. Bon, oh, ben moi, j'ai l'amiibo. Je comprends quand même, même si c'est des maths. C'est... Bye. 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 Bisous, I love you. Ouais, moi, mais surtout la musique. Non, c'est même pas dématérialisé. Et je vois la boîte du jeu. C'est bizarre. Deuxième. En tout cas, la musique du jeu, franchement, oh là là. Ça rappelle l'époque, tu vois. Attends, je vais le commander sur Amazon. Je pense que vous allez plus me voir sur Splatoon 2 ni sur MK8. Parce que là, je suis sur le jeu. Ah, c'est un truc de ouf. Non, il y est pas sur Twitch, ils vont pas le commander. Non, mais sur le 22 mai. Ouais, faut que je partage sur Twitter là le truc. Et surtout la musique qui rappelle l'époque, quoi. Ça rappelle la bonne vieille époque. Putain, ils font la Switch à 251€ Amazon tout neuf. Ah, t'as vu, elle a baissé. Ouais. Ah, justement, mon père voulait me la payer, mais. Sam, il va avoir un appart rempli de jeux, il pourra plus marcher. Tu rigoles ou quoi? Il y a pas de ça. Hein. Ah, mais c'est quoi, ah oui, d'ailleurs, j'ai vu le live où tu présentais tes jeux, tout ça. Ah ouais, t'as kiffé ou pas? Ouais, t'avais les 3 Donkey Kong en plus sur 3DS. Ouais, je vous ai porté. tu rigoles, mais tu sais qu'il y a deux. Tu sais comment il me reste rien du tout. Bon, je crois que j'ai fait une dernière partie et après, je vais me casser. Bref. Après, entre Megaman 1 et Megaman 2, je préfère le 2. Ouais. Le 2. Pareil, bah le 2 c'est le meilleur. J'ai surkiffé le 2. Ouais, pareil. C'est fou que tu connaisses ça, c'est des vieux jeux. Moi j'étais pas né quand c'est sorti. Non, mais tu sais, j'ai pu le tester genre en émulateur, tout ouais, ça. Ouais, pareil, c'est en émulateur aussi. Puis après, j'ai acheté la console et tout. Moi j'avais la Super NES direct quand j'étais petit, j'avais pas la NES. La NES c'était bien ancien, c'est début 80, mec. C'est 83, je crois, la NES. Ils sont là depuis longtemps, Nintendo. Nous on est là, on est vraiment has-been. Mais vous savez que Nintendo est là, je crois, depuis. Vous savez que Nintendo est là depuis, je crois, le 19e siècle. Ouais, ils sont là depuis 1889, je crois. Ouais, un truc d'un genre. Mais en plus, tout le monde appelait la NX avant la nouvelle console de Nintendo. Ouais, j'avais fait une vidéo. J'ai gagné plein d'abonnés. En plus, c'est genre. Tout le monde disait, ouais, c'est une fusion entre Xbox et Nintendo Switch, tout ça. En fait, pas du tout, parce qu'en fait, la NX, c'est le nom de base de Switch. En fait, c'est le nom qu'il avait dit. Genre, à l'époque, elle s'appelait même pas la Switch. Moi, au début, c'est ce que je pensais. Genre, c'était une collaboration entre Nintendo et Microsoft. Hein. Au début, je pensais ça. En fait, bah, ils ont signé des contrats ensemble, hein, Nintendo et Microsoft, pour le crossplay. Sauf que, en fait, Nintendo, n'a pas. Quand ils ont élaboré la Nintendo, ils sont allés voir Microsoft en leur disant voilà. On va sortir une nouvelle console. Est-ce qu'on peut mettre nos serveurs ensemble sur certains jeux? Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelait la NX, tu crois. Ouais. Nous, et tout le monde a cru que Microsoft, ils allaient faire une console pour Nintendo, mais en fait, pas du tout. Surtout que lors de l'E3. Ah oui, la bande annonce de Crash Bandicoot, là, on voit toutes les consoles. Genre, quand on voit Coco sur PC, il y a marqué Steam sur PC, ouais. Je connais ça depuis. Lors du dernier E3, ils disaient. En plus, les musiques des anciens jeux, genre Crash Bandicoot. Les gamins, tout ça, oh là là, c'est des bonnes musiques. Ouais. Hein. Imagine Crash Bandicoot dans Smash. En fait, il y en a beaucoup qui le disent. Il y a Far Cry, il y en a plein qui le disent, ouais. Ouais, Sans ouais Rayman, coup, dans Smash. Il serait beaucoup trop cheaté. Ulti Genki Dama, boum, allez. Mais ça, vous savez, il y a justement Super Smash Flash. Où il y a Goku dedans, Naruto, il y a Ichigo aussi. Je connais ce Super Smash. Ah mais... En vrai, Bayonetta, elle est trop cheatée dans Smash quand même. Ouais, c'est pour ça qu'elle est interdite en tournoi. Ouais, on comprend.
Juste les attaques qu'elle a. D'ailleurs, faudrait que tu refasses du Bayonetta. Hein. Ça nous manque un peu. Ah ouais, mais non, mais les gens n'aiment pas du tout. Ouais. En fait, moi, c'est moi ce que je ferais, c'est que je veux dire. Il y en a plein qui veulent du Splatoon dès le début du live. Genre, c'est bien commencé. Je parle en 2 minutes. C'est ouf de parler en même temps. Je comprends pas. Je parle en même temps, les gars. Ouais, moi, genre, moi, je dis, j'aimerais un peu qu'il fasse du Splatoon en sorte parce que c'est un jeu d'acte, j'ai pas de temps. C'est génial ce jeu. Mais j'ai tellement envie que tu fasses en live. C'est un truc de ouf. Franchement, moi, je suis là, c'est chaud, mec. Il faut faire l'état des mouvements et tout. Mais beaucoup. Bon les gars, il y a encore 5 japonais premiers. 5 premières places, c'est des japonais. Ou alors, soit tu fais du Skyward Sword, soit tu fais de la Princess, mais sur les deux, moi je suis là. Mais il y en a plein dès le début du jeu, genre, t'as commencé il y a 3 minutes, 5 minutes, ils disent, ouais, tu peux faire du Splatoon, t'as même pas le temps de lancer le jeu. Faut les bannir, c'est vrai. Ou au pire, j'ai une idée, tu fais du Splatoon en premier, après tu fais le jeu que t'as envie de faire. Comme ça, ils seront contents. Tu crois? Ouais, comme ça, ils seront contents, ils te laisseront un peu tranquille et hop, tu pourras faire ton jeu. Moi, après, c'est. Je dis ça comme ça. Tu fais comme tu veux. Mais moi, c'est ce que j'aurais fait à ta place. Parce que, après, les gens, ils sont relous, ils mettent plein de messages. Splatoon. Moi, dès que je mets un message et qu'il y a plein de Splatoon, c'est pour ça que tu n'arrives pas à lire mes messages. C'est parce que beaucoup de gens mettent Splatoon dans la gratuite. Tu sais quoi, je vais mettre dans les mots interdits, je vais mettre Splatoon MK8. Voilà, ça c'est bon. Là, ouais. Ils pourront juste voter. Voilà, tu mettras le lien du vote et voilà. Voilà, Ostropol. Après, tu profites pas assez du jeu, tu profites pas. Ouais, j'ai pas le temps d'en profiter. Je viens de gagner une game là contre un gars en ligne à Street Fighter, je suis trop heureux. C'est trop bien ce jeu. Mais les mecs, ils connaissent rien de ça, c'est comme ça. Et moi, c'est pas tout. Je crois que j'aurais chanté pas, il est une. Moi, je l'ai clairement, je l'ai vu sur Bandar à Street Fighter. C'est trop bien, en vrai, sur Bandar Fred, c'est vraiment sur la Street Fighter. Mais vu qu'Activision, c'est ceux qui ont fait Crash Bandicoot, pourquoi pas un Spyro sur Switch? Ah, non mais c'est nul. Spyro, ouais. J'aime pas du tout. Ouais, moi non plus, j'aime pas, ouais. Mais pour les fans de Spyro, ça aurait été bien pour eux. Déjà, c'est un jeu qui est pas. Alors, ok, Requiem, mais c'est pas un jeu très répandu non plus. Ouais, voilà, c'est pas un jeu qu'on. Imagine, il faut un rat. Un Ratchet & Clank. Genre un remake genre du 1 ou du 2 surtout. Ce... Ouais, ça pourrait être cool. Alors tu vois le Ratchet & Clank qui est sur PS4, tu vois. Ah oui. Bah oui, le nouveau Ratchet & Clank sur PS4. Bah oui. Oui, celui-là avec le film où Squeezie a doublé sa voix là. Mais j'ai pas trop aimé le film. Je ressentais pas la sensation du jeu en fait. Enfin, je ressentais pas la sensation de l'histoire, tout ça. Avec un remake du 1, genre. C'est quand qu'on fait du Worms? Du Worms? Ah oui, le jeu de ver de terre. Il est pas mal, c'est... à l'époque, quand c'était petit, je faisais ça. Ah, mais moi je l'ai sur PS2, j'en ai un, il s'appelle Worms, je sais plus quoi là, en 3D là. C'est ver de terre en 3D. Non, pas Worms 3D, Worms en 2D. Mais il est sur Switch. Moi j'ai le Worms en 3D. Et j'avais testé le Worms. Je sais plus comment il s'appelle. Le Worms avec les bombes à eau, tout ça là. Ah non, moi ouais, je me souviens même plus. Je me souviens même plus des jeux que je jouais. Mais la Wii U, j'ai quand même encore des jeux hein, que je garde parce que la Wii U c'est quand même collector. Ouais, grave, moi j'adore la Wii U. Bah tu verras que dans 2-3 ans la Wii U. Mais j'adore. Est-ce que tu connais Devil Store? Non. T'es sérieux? Tu connais pas Devil Sword? Tu connais toi? Bah ouais, mais je l'ai le jeu Sam. Tu l'as, mais ce jeu est ultra collector mon frère. Mais j'ai pas. Mais dommage que j'ai pas la version disque parce qu'ils l'ont pas vendu en Guadeloupe. Ah moi je l'ai en disque moi. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu l'histoire parce que je comprends pas le jeu, enfin je sais pas ce que c'est. Bah tu regardes des trailers parce qu'il est. C'est, c'est le mec qui a fait Ninja Gaiden, tu connais Ninja Gaiden? Non plus. Wow, tu connais pas Ninja Gaiden mon gars. Oui, il est sur Wii U aussi Ninja Gaiden. Ouais. Et après, je connais Nomori Rose.
Ouais, non, mais rien à voir. Ouais. Mais d'ailleurs, en fait, le gars, tu t'en prends plein la gueule, je veux pas dire. Mais c'est quoi genre... Non, je dis, tu te prends des carapaces en pleine gueule à chaque fois. Ah ouais, mon gars, c'est comme ça. Mais c'était quoi ce jeu? Je crois que j'ai arrêté le live parce que je commence à être un peu fatigué. Ok. Et mais surtout que mon téléphone a plus que 7% de batterie. Mais c'est quoi, tu laves avec un téléphone? Non, j'utilise le téléphone pour voir le chat en live. Mais dans No More Heroes, c'était quoi ce plagiat de Metal Gear Solid là? Enfin, ouais, t'as vu? Oh, c'est incroyable. C'est normal parce qu'en fait, les mecs, c'est des mecs de chez Capcom qui ont développé. Ah ouais, mais. Ouais, je crois que j'ai quitté le live. Ok. Ah oui, clap. Attends. Tu sais, quand tu te faisais repérer, il y avait une petite musique qui se lançait dans le jeu. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Voilà. Ouais, ça, c'était ça. Bon, bah je crois... Je vais éteindre le live. Arrêtez le live.